Bonjour tout le monde. Bon boulot, les gars. Toi, tu déchires. Continuez. Allez, à demain. Salut. D'accord, d'accord. Bon, on commence le cours. On a encore besoin d'une super chanson originale pour conclure notre présentation à la bataille. On a déjà des devoirs en poésie. Écrire une chanson, c'est de la poésie. Et si tu écoutais AC/DC, tu le saurais. Il n'y aurait pas de grands groupes sans les grands paroliers. Mais alors, c'est qui le nôtre? Nous, on n'en a pas. Mais ne vous en faites pas. J'ai posté une annonce sur le web. Je suis sûr qu'on va trouver un parolier de génie. Et je vais peut-être réussir à vendre mon futon. Moi, je peux écrire des chansons. Est-ce que tu l'as déjà fait une seule fois? Non, mais j'écris une newsletter pour ma famille. Oncle Marc est allé au Pérou. Oh, alors todas mes félicitations à ton oncle Marc. Mais ce n'est pas si facile. C'est un art et ça se travaille d'arrache-pied. Ça prend du temps. Il faut écrire une centaine de chansons avant de maîtriser cet art. C'est quoi? 100 chansons. Je les ai écrites. En une seule soirée? Je sais, oui. J'en aurais écrit plus, mais j'ai dû faire mes devoirs de mathématiques. D'ailleurs, ça m'a inspiré une chanson. Devoir d'algèbre. X égale 6. La vie est si triste quand X égale 6. Ça va devenir un classique. Et il y en a une autre, liste de courses. Et elle ressemble exactement à une liste de courses. Pomme, pile électrique, pain, pain, pain. Pain, c'est le refrain. Oh. Ouais. Summer, j'ai énormément de respect pour toi, mais là, je dois dire qu'il faut que je te fasse une critique constructive. D'accord. Toutes ces chansons sont horribles. Des catastrophes totales. Monsieur, la critique n'est constructive qu'en abordant des sujets précis, vous savez. Pour être plus précis, ça, là, c'est très mauvais. J'ai compris. Je suis trop nulle pour faire un truc dans ce groupe. Oh, dis pas ça. Si tu tiens à écrire une chanson, renseigne-toi sur un artiste que tu aimes et vois comment il procède. Vous voulez dire comme de la recherche? En restant tranquillement assis à écouter de la musique, mais c'est comme tu veux. Merci, monsieur Finn. Au boulot. Pas de problème. X égale 6, la vie est si triste. C'est pas parce que je la chante que c'est une bonne chanson. Quiz musical. Van Halen avec David Lee Roth ou Van Halen avec Sammy Hagar? Les deux, c'était un piège. Oh, monsieur Finn, monsieur Finn, oh. Je vous trouve enfin. Bonjour, madame Mullins. Quelle magnifique journée. Et vous avez l'air d'une principale. Merci. Monsieur Finn, il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler en privé. Venez dans mon bureau à 3h cet après-midi. Oh, un rendez-vous privé? Et on va faire quoi? Dire du mal des professeurs qu'on ne peut pas encadrer? J'adore! J'amènerai le goûter. Vas-y, gros! Je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Voilà! Très bien! Ça va, les gars? Pourquoi vous avez la bouche ouverte? Madame Mullins a dit qu'elle voulait vous parler en privé. Vous vous rendez compte? Vous croyez qu'elle cherche un rencard, c'est ça? Oh, la dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'une romance impossible au travail. Quand madame Mullins souhaite parler avec un professeur, le plus souvent, c'est pour le renvoyer de l'école. Quoi? Vous croyez qu'elle veut me virer? J'espère pas. Sans vous, elle craindrait cette école. Ça ressemblerait à... une école. C'est vrai, monsieur Finn. Grâce à vous, j'ai pris de l'assurance. Et puis, vous m'avez aidé à charmer les filles. Salut, Lorenz. Sabou, Mesmé. Ouais. Je tombe. Avant, ça aurait été la cata. Vous devez impressionner madame Mullins au rendez-vous. Et garder votre boulot. Jusqu'ici, vous ne lui avez jamais adressé la parole plus de 5 minutes. Là, c'est un vrai rendez-vous, une demi-heure tout entière de comportement exemplaire. Vous avez raison. Mon meilleur score, c'est 11 minutes, mais là, j'ai aucune chance. Non, on va vous aider. Je sais ce qui impressionne les adultes. Ça fait des années que les mères de mes amis croient que j'ai une bonne influence sur eux. Ma mère répète tout le temps, tu devrais prendre exemple sur Freddy. Elle a emmené une photo de lui comme modèle pour ma dernière coupe. Nickelodeon, en exclusivité sur Canal et Numéricable.